Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue à ce conseil municipal du 29 juin 2023. Donc les convocations et dossiers ont été transmis par mail le vendredi 23 juin 2023, donc accompagnés des projets de notices explicatives et des délibérations. Et ça a été remis aussi en format papier le vendredi 23 juin 2023 aux membres du groupe Épinay Demain. Donc je vais procéder à l'appel nominatif des conseillers municipaux et voir s'il y a des retards. J'en connais déjà au moins un. Donc Marchaud Olivier, présent. Castin Laurence. Présent. Gallet Vincent. Présent. Sylvie Panzani. Présent. Franck Barrière. Présent. Hélène Lequeux. Présent. Nathan Fabreau. Présent. Christiane Martin. Présent. Brice Walter. Présent. Serge Duchesne. Présent. Anne Chabria, excusée, représentée par Vincent Gallet. Christian Marais. Présent. Marie-Laure Luthier. Jean-Marie Schiltz. Présent. Muriel Dorland. Présent. Christophe Randouin, excusé, procuration à Jean-Marie Schiltz. Christelle Bourdou, excusé, procuration à Nathan Fabreau. Olivier Gallet. Présent. Séverine Lepoulin. Présent. Ghislain Didry, excusé, procuration à Franck Barrière. Sandrine Bouvier. Présent. Thomas Turquie. Présent. Gilles Dugast. Présent. Bien, très bien. Pauline Desailly, excusée, procuration à Marie-Laure Luthier. Sophie Gaudry. Présent. Omar Haddad, excusée, procuration à Christiane Martin. Monique Draghi. Présent. Sébastien Blottière, excusée, procuration à Mélanie Dorlancourt. Corinne Béras. Présent. Pascal Legouge. Mélanie Dorlancourt. Adrien Futol, excusée, procuration à Corinne Béras. Et Maurice Legouge, excusée, procuration à Pascal Legouge. Donc le quorum de 17 conseillers municipaux est donc physiquement présent et valable. Donc on peut considérer que le quorum est atteint. Donc nous allons commencer ce conseil municipal par deux communications. Donc une première communication faite par Nathan Fabreau et Pauline Desailly. Donc elle ne sera que par Nathan. Donc je lui laisse la parole. Donc c'est sur le bilan des activités des conseils du quartier 2022-2023. Merci Olivier, bonsoir à tous. Effectivement, pour commencer ce conseil municipal, on va commencer par un rapport d'activité des conseils de quartier. C'est pas une délibération, c'est une communication. On pourra aborder, s'il y a des questions, les conseils de quartier au moment de la délibération de la nouvelle charte à la fin du conseil municipal. Mais en préambule, on voulait faire un rapport de fonctionnement des conseils de quartier. On arrive à la fin de cette première phase de fonctionnement des conseils de quartier, au bout de 2 ans. Donc voilà pour ce rapport que je vais vous lire. Je vais essayer d'être rapide pour pas que ce soit trop long. Alors pour rappel, les conseils de quartier, ce sont des instances qui sont encadrées par l'article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les conseils de quartier existent obligatoirement dans les communes de plus de 80 000 habitants, mais que leur création est facultative en dessous. Ça a été un véritable choix de notre part, la commune d'Épinay-sur-Orge, de mettre en place des conseils de quartier dans les quartiers d'Épinay. Voilà. Il forme un cadre sur lequel s'appuie en toute transparence le conseil municipal pour améliorer la proximité avec les citoyens. Et donc, ils sont consultés dans la conduite des projets initiés par l'équipe municipale. Et ils permettent également aux citoyens de transmettre aux élus le résultat de leurs réflexions et de leurs idées pour la ville. De façon libre et autonome, de façon apolitique également, ils ont défini, organisé leur programme annuel. Donc ça a résulté de tout ça des réunions, des projets, des événements qui on peut voir le jour au cours de ces 2 dernières années. Et donc ça va, à l'occasion de ce rapport d'activité, on va essayer de faire un tour d'horizon de tout ce qui a pu se faire. Alors déjà un rappel historique concernant leur lancement. Entre décembre et janvier, on avait fait une consultation auprès des Spinoléens pour connaître un peu leurs attentes, leurs envies concernant les conseils de quartier. Et leur retour avait permis de construire une charte qui avait été ensuite votée en conseil municipal le 9 février 2021.
Il y avait une communication auprès de tous les spinoliens pour appeler aux candidatures dans l'ensemble de la commune. Et puis, mi-mars, on avait organisé également une réunion publique. On a organisé le 24 mars 2021 un tirage au sort pour définir qui étaient les membres des conseils de quartier. Nous avions reçu 63 candidatures, ce qui était quelque chose de particulièrement important au vu de notre strate de commune. Et donc, c'était d'une certaine manière un certain succès. Donc ce tirage au sort avait permis de tirer au sort les membres des conseils de quartier. Et donc ils étaient 10, soit 50 personnes en tout, qui faisaient partie des conseils de quartier. Ils se sont ensuite lancés, organisés, dans un contexte post-sanitaire qui n'a pas toujours été très simple, qui était surtout très difficile au début. Mais de premières actions se sont mises en place et le cadre qui avait été fixé par l'adoption de la charte de fonctionnement s'est appliqué dans une démarche qu'on peut dire expérimentale. Et petit à petit, les membres, chaque personne qui participait au conseil de quartier s'est approprié ce cadre que nous avions adopté ici. Deux ans plus tard, donc à la fin de ce conseil municipal, nous adopterons une nouvelle charte de fonctionnement qui est issue de cette expérimentation en quelque sorte et des retours qu'ont pu nous faire les membres des conseils de quartier pour mieux faire fonctionner ces instances de démocratie participative. Alors, la première chose, on peut revenir sur les consultations qui ont été faites avec les conseils de quartier au cours des deux dernières années. Donc, ils ont été consultés, ils sont intervenus auprès de la municipalité sur différents sujets. Alors, je vais en dresser la liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle est assez importante. Tous les conseils de quartier ont été invités à participer à l'élaboration du plan vélo communal. Tous les conseils de quartier ont participé à la concertation pour déterminer le nom de l'espace culturel qui est devenu espace culturel Simone Veil. Tous les conseils de quartier ont participé à certains groupes de travail au lancement du projet d'îlot sportif. Ils ont aussi participé aux réunions de travail qui ont permis de déterminer l'emplacement du futur City Stade. Le conseil de quartier des Templiers, Croix-Ronde Terrasse, a déterminer le nom de deux voiries dans la ZAC de la Croix-Ronde. Il a également participé au projet de sécurisation du parc des Templiers. Le conseil de quartier du centre-ville au Gravier Petit-Vaux a participé aux réflexions qui concernent les aménagements de circulation dans la rue de Petit-Vaux. Au Morgard, le conseil de quartier a participé à d'importantes réflexions sur la sécurité du quartier. Il a aussi participé à un projet d'implantation d'une offre de restauration temporaire au Morgard. Et puis, le conseil de quartier Breuil-Sablon est intervenu dans le projet d'expérimentation qui concerne la circulation dans la rue de la Montagne. Donc, sur tous ces sujets, les conseils de quartier ont pu intervenir et mettre soit des avis, des propositions ou nous questionner sur les problématiques d'intérêt général qui concernaient leur environnement. Et donc, la municipalité s'est saisie autant que possible, selon nos moyens et les orientations définies par les élus, de toutes ces remontées, de toute leur participation. La deuxième chose qu'on peut aborder, ce sont les réunions et les démarches qu'ils ont menées en direction des habitants. En 2021 et 2022, ils ont été invités à organiser des réunions de public par quartier visant à réunir les habitants et à présenter leurs projets pour créer des lieux d'échange et de débat. Donc, chaque conseil de quartier a organisé au moins une réunion publique au cours de ces deux dernières années. Certains ont fait le choix d'en organiser deux, voire trois. Il a résulté de ces expériences des constats parfois mitigés, variés, plus ou moins positifs. Et globalement, ces réunions ont permis de remonter des informations et des attentes des habitants. Et pour cela, ça a été très utile. Ils ont aussi permis aux conseils de quartier de mieux s'identifier auprès des habitants. On a toutefois pu voir que le rôle des conseils de quartier et de leurs membres pouvait être parfois mal identifié auprès des habitants, ce qui pouvait les mettre en difficulté. Et c'est ce à quoi la nouvelle charte devra répondre notamment. La troisième partie, ce sont les événements propres à chaque conseil de quartier qu'ils ont organisé. Et dès l'année 2022, nous avons attribué un budget de fonctionnement de 400 euros par conseil de quartier qui a été prévu au budget de la ville et qui a été reconduit ensuite en 2023. Et je vais vous lister rapidement les événements qui ont pu être organisés par les conseils de quartier de façon autonome, mais accompagnés par les services de la ville. Au centre-ville au Gravier Petit-Vaux, on a eu une balade thermique en partenariat avec la LEC, le 10 février, un ramassage de déchets dans le parc de Petit-Vaux. Au Breuil, Sablon, une fête de quartier, dont la deuxième édition aura lieu début juillet.
2 éditions de la fête d'Halloween avec un cortège organisé à travers le quartier des animations. Au Templier, on a eu une bourse verte, 2 éditions. On a eu une fête de quartier au parc et un vide-grenier qui a été organisé à travers les rues du quartier. À la gare, 2 balades ont été organisées en mai 2022 et en avril 2023. Et puis, 2 éditions d'une chasse aux œufs, place des fêtes, qui ont été très populaires et qui ont rassemblé beaucoup de familles en 2022 et 2023, c'était en avril. Et puis, en ce qui concerne le Morgard, il était convenu dès la création du conseil de quartier que l'association pour la qualité de vie au Morgard gardait ses prérogatives pour organiser la vie du quartier. Mais le conseil de quartier a ponctuellement participé à des animations du quartier. Je me dépêche. Ensuite, il y avait les événements communs au conseil de quartier et à la ville. La ville a organisé des événements auxquels elle a associé les conseils de quartier. Et donc, on peut citer par exemple une édition des Sonnes Vertes et Sonnes Propres dans toute la ville, où les conseils de quartier se sont joints à nous et on avait fait des collectes dans toute la ville. C'était en mai 2022. La participation de tous les conseils de quartier à la journée des associations en 2021 et en 2022 pour se présenter auprès des habitants et pour échanger avec eux. Et puis le passage du traîneau du Père Noël qui était né au départ à cause du Covid et puis qui s'est poursuivi avec leur participation, et c'est aussi pour ça que ça a bien fonctionné en décembre 2021 et en 2022, où ils organisaient des points d'arrêt avec des animations dans toute la ville. Pour finir, on peut parler des projets qu'ils ont mis en place, et de la même manière que les budgets de fonctionnement qu'on leur a octroyés, ils disposaient de budgets d'investissement de 5 000 euros par conseil de quartier, qui ont aussi été prévus au budget de la ville en 2022 et en 2023. Et on peut citer pour tous les quartiers l'achat de barnum et de tables pour l'organisation autonome de leurs manifestations. Au Templier, Croix-Ronde Terrasse, la création d'un potager partagé il y a très peu de temps au sein du parc des Templiers. Au Morgard, l'installation d'une table de tennis de table et d'un panneau d'affichage de quartier, ainsi que l'installation de 3 boîtes à livres. Au centre-ville au Gravier Petitvaux, la plantation de plantes et arbres fruitiers dans le chemin de la paix et l'implantation d'un hôtel à insectes, très récemment aussi. Au Breuil, l'installation prochaine d'une table de tennis de table. Et puis au quartier Gare, il y a eu la volonté forte des membres d'installer une aire de jeu, mais les budgets qui leur étaient octroyés ne le permettaient pas, et on a fait aussi face à des difficultés techniques, donc ça n'a pas pu aboutir. Globalement, et pour finir, chaque projet a pu être accompagné grâce à l'implication de l'ensemble des services municipaux, et on les en remercie parce qu'ils ont accepté d'assurer la mise en œuvre de ces projets en plus de leur mission quotidienne. Plus spécifiquement, ils ont pu être accompagnés par le service vie économique, vie citoyenne, qui a été présent au quotidien pour les assister et les aider, et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer parfois au quotidien dans l'administration et qui peuvent parfois ralentir les projets, mais c'est aussi l'objectif des conseils de quartier de partager aussi toutes ces limites qu'on peut rencontrer au quotidien, de montrer que l'action publique et la mise en place de projets fait aussi face à un cadre et parfois à des difficultés. Et donc pour tout ça, on tenait à remercier tous les services municipaux pour leur implication auprès d'eux. Au terme des 2 premières années des conseils de quartier, on souhaite aussi adresser nos plus sincères remerciements à l'ensemble des membres des conseils de quartier de la ville. Leur énergie et leur implication de cette 50aine de citoyens a permis, au sein de ces structures nouvelles qui étaient expérimentales et un peu inédites dans notre commune, de réaliser de très nombreux projets, de créer de nouveaux liens entre les habitants et d'exprimer les attentes et les souhaits des habitants. Et pour la ville, je crois que ça a été très utile et très précieux. Et donc, on peut les en remercier. Et puis, pour finir, on ne peut pas terminer ces remerciements sans penser à Brigitte Cochon, qui nous a quittés en septembre 2022 et qui, en parallèle de ses activités associatives déjà très riches, s'était portée volontaire pour devenir la première coordinatrice du conseil de quartier du centre-ville au Gravier Petitvaux. Son énergie, son implication phénoménale avaient permis et ont permis toujours de créer un groupe soudé et dynamique au service des habitants du quartier. Et donc on souhaitait une nouvelle fois lui rendre hommage ce soir. À présent, cette première séquence des conseils de quartier va prendre fin. On va voter tout à l'heure la nouvelle charte de fonctionnement. Enfin, c'est une mise à jour à la fin de ce conseil municipal. Et elle définit notamment les modalités de renouvellement des membres. Elle prévoit notamment, pour les membres investis et volontaires, de poursuivre leur implication dans le quartier. Et ça permettra l'arrivée à la fois de nouveaux membres et la continuité des projets engagés. Voilà pour ce bilan des 2 années de ces conseils de quartier d'Épinay. Merci.
Merci Nathan pour cette présentation et ce rapport d'activité qui démontre ce bel outil qui a été mis en place, hein, qui est les conseils de quartier, qui est vraiment un outil qui permet vraiment de faire de la démocratie participative, parce que là on est vraiment au cœur des citoyens spinoliens. Donc en tout cas bravo pour tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ces conseils de quartier. Voilà. Nous allons passer maintenant à la deuxième communication sur le SMOIS. Donc je vais passer la parole à Laurence Castin. Oui, c'était une demande qui avait été émise pour faire un point sur les bornes de recharge sur la commune. Donc déjà, le SMOI, syndicat mixte Orge-Yvette-Seine, comme son nom ne l'indique pas, est chargé notamment de tout ce qui est réseau d'électricité, de gaz, d'énergie au sens plus général. Donc, pour faire un petit point, ce printemps, un changement de gouvernance a eu lieu au sein du SMOIS. Donc, l'ancien président a démissionné, un nouveau président et un nouvel exécutif a été mis en place fin avril. Donc, voilà, donc ça entraîne un certain nombre de modifications par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Sur la commune d'Épinay, actuellement, il y a 3 bornes qui contiennent chacun 2 points de charge. Donc 2 bornes, 2 fois 2, 4 points de charge sur le parking des Templiers et 1 fois 2 sur la rue Pasteur. Sur la rue des Templiers, ça fonctionne pas mal. Sur la rue Pasteur, ça fonctionne très mal, puisque la borne avait été installée alors que le stationnement sur la rue Pasteur était perpendiculaire à la voie. Et maintenant que le stationnement est parallèle à la voie, ça fait un peu juste pour aller se brancher à la borne. Voilà. Donc au départ, nous avions demandé au SMOIS qui déplace cette borne plus près de la chaussée, mais il y aura certainement une réflexion plus globale avec l'ensemble du schéma directeur. Il y en avait eu un et il y en a un autre qui est en cours. C'est-à-dire que le positionnement de borne à côté d'une gare n'est pas judicieux. Parce que quelqu'un qui va prendre le train, il va mettre, si c'est comme moi le matin, je pars à 7h15, je laisse ma voiture, je rentre à 7h le soir, ben, je monopolise une place pour une borne qu'au bout de 2h, 3h, ma voiture serait rechargée. Donc vraisemblablement, ces bornes de la rue Pasteur seront déplacées, à nous de réfléchir où. Ensuite, dans le schéma directeur actuel, 2 autres bornes avec 2 points de charge sont prévues d'installer, une en 2024, une en 2025, sur des parkings, donc sur le parking Gabriel Péri, et l'autre, j'ai un trou sur lequel autre parking ? Place des Monceaux. Voilà. Alors bien sûr, ça mange des places de parking pour les autres, mais enfin, c'est l'avenir aussi, la voiture électrique. Avec cette nouvelle gouvernance, j'ai eu un comité directeur lundi soir, hein, c'est donc pas vieux. La tarification à la borne actuellement est à la durée de charge, donc par tranche de quart d'heure. Et une fois que la charge est complète, il y a un peu une pénalité qui est facturée à l'utilisateur. Donc justement, s'il laisse sa voiture 10 heures, au bout de 3 heures, sa voiture est chargée. Donc on lui facture un petit peu du temps d'occupation d'une place de parking. Voilà. Dans une limite de 30 euros par jour, qui est apparemment le montant de l'amende pour stationnement non payé sur les parkings payants d'Evry. Bon, il fallait bien prendre un barème, c'est celui-là. Donc à compter du 1er janvier, la tarification se fera au KWA, au kilowattheure, à 0,39 centimes le kilowattheure. Et là également, au-delà d'un certain temps où la voiture reste garée sur la place, également une pénalisation. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour l'instant. J'aurai sûrement des nouvelles choses à vous dire en début d'année 2024 avec le nouveau schéma directeur qui sera décidé. Donc, le SMOI, c'est à 66 communes. On en attend 4 de plus ou 6 de plus d'ici la fin de l'année. 850 000 habitants.
Il y en a qui veulent des bornes, il y en a qui n'en veulent pas. Les toutes petites communes n'en veulent pas parce que c'est des communes rurales où tout le monde a son pavillon et la prise pour se brancher. Et bien sûr, la demande est plus forte dans les villes où il y a beaucoup de stationnements collectifs. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Merci Laurence. Des questions, non ? Alors, je vais passer sur deux autres communications. Alors, la première, je voudrais remercier notre directrice générale des services, donc Cécile Vernot, donc qui va nous quitter très très prochainement pour aller loin de la métropole, voilà, bah, plutôt vers le soleil radieux. Donc, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à la saluer donc, pour son application, son travail, son humanité, son professionnalisme. Elle nous accompagne depuis 2020, donc voilà, elle a fait un beau parcours avec nous. Donc je vous souhaite plein de choses et je pense que je parle au nom du collectif. Hein, donc je vous souhaite plein de choses pour la suite, pour ces nouveaux projets professionnels. Voilà, donc une nouvelle vie commence pour elle. Donc voilà, tous mes voeux de réussite pour la suite. Voilà. Merci Monsieur le Maire. Merci. Deuxième communication, malheureusement un peu plus morose. Je vais revenir sur les événements de ces derniers jours hein, qui font suite à la mort d'un adolescent à Nanterre. Donc je tiens à rappeler fermement qu'il est nécessaire de laisser faire la justice. Elle doit pouvoir effectuer son travail en toute sérénité et faire toute la lumière sur les conditions de ce drame. Que la mort d'une personne aussi jeune et dans ces conditions est un drame, mais rien ne justifie les déferlements de violence que nous avons pu voir ces derniers jours. Les attaques et les dégradations des biens publics sont intolérables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Cet après-midi, nous avons eu une réunion avec le préfet, donc une réunion de crise justement pour travailler sur toutes les mesures qu'on devait mettre en place au niveau des communes. J'ai pu prendre conscience en tout cas de la gravité de la situation, notamment par rapport aux communes voisines. Là, j'apporte tout mon soutien en tout cas avec tous mes collègues maires. Hein, certaines communes sont très très largement sinistrées, donc voilà, en tout cas, ils ont tout mon soutien et je suppose qu'il est partagé par nous tous ce soir. Et donc un certain nombre de mesures ont été prises déjà sur Épinay. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus, parce que vous pouvez comprendre que ce n'est pas forcément des mesures qu'on va dévoiler à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont déjà faites, il y a des choses qui vont se voir, il y a des choses qui se verront peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, il y a une prise de responsabilité, en tout cas au niveau de la ville, de modifier et d'essayer de préserver le maximum de choses aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation, on va dire, compliquée, difficile, et espérons que la raison va revenir et qu'on revienne à une situation plus apaisée. Voilà. Nous allons maintenant continuer donc le conseil municipal. Donc je vais désigner la secrétaire de séance et donc je désigne Sophie Gaudry. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons commencer à approuver les délibérations. Donc la première délibération ou l'approbation qu'on va plutôt valider, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2023. Donc pour le compte-rendu de la séance du 30 mai 2023, donc on va soumettre au vote qui approuve le PV, qui est pour, donc qui est contre et qui s'abstient, pardon. Donc le PV est approuvé à l'unanimité. L'approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2023, donc pareil, est-ce qu'il y a des remarques ? Non. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 est approuvé à l'unanimité. Donc, nous allons commencer maintenant à passer les délibérations. Donc, un certain nombre de délibérations sont relatifs à des votes de représentants du conseil municipal dans les différentes instances autres. Donc, c'est des syndicats ou des conseils d'administration, représentants autres. Donc, on va aller commencer donc, par la délibération numéro 1, c'est l'élection des délégués du conseil municipal au syndicat Pardon. Oui, merci, bonsoir. Je voulais dire, en fait, au sein du groupe Épinay Demain, qu'on avait décidé aujourd'hui de retirer, en fait, notre liste pour les délibérations qui vont suivre. Au vu du contexte actuel, en fait, nous ne souhaitons pas que le Conseil s'éternise et on souhaite plutôt que vous soyez auprès de Monsieur le Préfet pour gérer cette situation de crise. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impliqué ni engagé, mais c'est vraiment pour des raisons du contexte que vous avez cité juste précédemment. Merci.
Tout à fait, je m'étais entretenu justement avec Sébastien Blotter cet après-midi pour présenter la situation qu'il connaît aussi très bien. Voilà, donc voilà, je vous remercie en tout cas de la compréhension et de votre geste sur cette partie-là. Merci. Donc, délibération numéro 1, élection des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, donc le SIAVI. Donc, les candidats pour Imagine Épinay sont donc les deux délégués titulaires, c'est Olivier Marchaud et Sylvie Panzani, et les deux délégués suppléants, Brice Walter et Marie-Laure Luthier. Donc, qui vote pour ces représentants? Qui vote contre? Qui s'abstient? Vous votez pour, contre ou vous abstenez? Pour? D'accord. Donc, la délibération numéro 1 et donc les candidats que je viens de nommer sont donc élus en tant que représentants au syndicat de l'Yvette. Élection des délégués du conseil municipal au syndicat de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédécelle, SIORP, ou syndicat de l'Orge pour de façon basique. Donc, les deux délégués titulaires présentés sont Olivier Marchaud, Sylvie Panzani, et les deux délégués suppléants candidats, Laurence Castin et Marie-Laure Luthier. Qui vote pour ces délégués? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, les candidats que je viens de nommer sont élus. Délibération numéro 3, élection des délégués du conseil municipal au syndicat mixte Orge-Yvette pour l'électricité et le gaz, donc le SMEUS. Donc, les candidats de l'Imagine Épinay sont, en tant que titulaire, Laurence Castin et en suppléante, Marie-Laure Luthier. Qui vote pour ces candidats? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, les deux candidats nommés sont élus. Délibération numéro 4, élection des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal pour l'étude et l'aide aux personnes handicapées du Val-d'Orge. Les deux candidats pour Imagine Épinay, donc les deux délégués titulaires sont Christiane Martin et Omar Haddad, et les deux délégués suppléants sont Monique Draghi et Anne Chabria. Qui vote pour ces délégués? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les candidats proposés sont donc élus. Délibération numéro 5, élection des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal de restauration Massy-Chilly-Mazarin-Épinay-sur-Orge, le SMIRS. Donc les candidats Imagine Épinay proposés sont Sophie Gaudry et Serge Duchesne en tant que titulaires, et les deux délégués suppléants sont Omar Haddad et Christophe Randouin. Qui vote pour ces délégués? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les délégués sont élus à l'unanimité. Désignation des délégués du conseil municipal à la Société d'économie mixte d'action pour la revalorisation des déchets et des énergies locales, donc la CEMARDEL. Donc il nécessite un représentant, le candidat Imagine Épinay et donc Vincent Gallet. Qui vote pour ce candidat? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Vincent Gallet est élu à la CEMARDEL. Délibération numéro 7, et donc je passe la main à Christiane Martin. Bon. Donc, il s'agit d'élire les délégués pour les conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux, EHPAD de Charles-Intrus, de Perret-Vaucluse et Centre local d'information et de coordination gérontologique. Donc, la délibération numéro 7, il s'agit du délégué pour l'EHPAD de Perret-Vaucluse. Donc, Imagine Épinay propose Christian Marais comme candidat. Donc, qui est pour ce candidat? Qui vote pour? Contre? Abstention? Donc, je prends juste la parole, parce que le vote, non, c'est plutôt le maire qui le fait. Donc Christian, va... Excusez-moi. Voilà, merci, Christiane. C'était tenté, mais... Je me ferai pas avoir une deuxième fois. Donc Christian est donc élu en tant que délégué donc pour l'EHPAD de Perret-Vaucluse. Donc je redonne la parole à Christiane. Donc il s'agit maintenant de la désignation du représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la maison de retraite du domaine de Charles-Intrus. Donc le candidat proposé par Imagine Épinay et Marie-Laure Luthier. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour la candidate? Qui vote contre?
qui s'abstient. Donc la candidate est élue à l'unanimité. Donc la délibération numéro 9, il s'agit d'élire le représentant de la commune au comité de pilotage du centre local d'information et de coordination gérontologique Nord-Ouest Autonomie. Donc le candidat proposé est Christiane Martin. Donc nous allons voter pour la déléguée. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Christiane est donc élue en tant que représentante au conseil, au comité de pilotage du centre local d'information et de coordination gérontologique Orgivette. Et donc maintenant je vais reprendre la main. Donc désignation des représentants de la commune au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance CISPD. Donc trois représentants sont proposés par la liste Imagine Épinay. Donc Franck Barrière, Nathan Fabreau et Christiane Martin. Donc qui vote pour ces trois candidats? Pour, contre et qui s'abstient? Donc les trois candidats sont élus à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 11. Et je vais passer la parole à Franck. Une délibération qui a pour but de désigner donc les représentants de la commune au conseil d'école et au conseil d'administration du collège André Morois. Le conseil d'école discute et vote des décisions à propos des questions qui intéressent la vie de l'école. Cela concerne notamment le règlement intérieur, la restauration scolaire ou l'intégration des enfants en situation de handicap. Conformément à l'article D411-1 du Code de l'éducation, le conseil d'école de chaque école est composé, outre du directeur, directrice, des maîtresses et maîtres de l'école et d'un maître, maîtresse du RASED, des représentants des parents d'élèves et du délégué départemental de l'Assemblée nationale et des deux élus, donc le maire ou son représentant et un conseil municipal désigné par le conseil municipal. Il convient donc de désigner des représentants du conseil municipal pour siéger aux différents conseils des établissements scolaires suivants: primaire Paul Valéry, primaire Albert Camus, maternelle Paul Valéry, maternelle Albert Camus et maternelle des Templiers. Par ailleurs, le conseil d'administration du collège vote certaines décisions, notamment concernant le projet d'établissement, le règlement intérieur, le budget et compte financier, et peut être consulté pour avis à la demande du chef d'établissement, entre autres pour ce qui est relatif au choix des manuels scolaires, de la création et la suppression de sections, ou la proposition du maire de modification des heures d'entrée et de sortie de l'établissement, conformément à l'article R421-14-7 du Code de l'éducation. Le conseil d'administration des collèges comprend, outre le chef d'établissement et son adjoint, le conseiller principal d'éducation, des représentants élus du personnel de l'établissement et des représentants des parents d'élèves et des élèves, un représentant de la commune siège de l'établissement. Il convient donc de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du collège André Morois. Après, sur les modalités de désignation, je te laisse prendre la main, Olivier. Donc les candidats pour Imagine Épinay pour le conseil d'école, donc pour l'école primaire Paul Valéry, Franck Barrière, pour l'école primaire Albert Camus, Franck Barrière, pour la maternelle Paul Valéry, Sophie Gaudry, pour la maternelle Albert Camus, Sophie Gaudry, pour la maternelle des Templiers, Sophie Gaudry. Donc voilà. Donc qui vote pour ces candidats? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ces deux candidats sont désignés pour les différents établissements scolaires d'Épinay en tant que représentants au conseil d'école et au conseil d'administration de l'ensemble de ces parties. J'ai oublié qu'il y avait aussi, on va resoumettre au vote, il y a aussi le conseil d'administration du collège André Morois, donc le candidat est Franck Barrière, donc qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Franck est élu au conseil d'administration du collège André Morois. Voilà. Nous allons maintenant passer à la désignation d'un délégué de la commune au comité national d'action sociale, donc le CNAS, donc et représentant pour la liste Imagine Épinay, Hélène Lequeu. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Hélène est
quand est donc élu à l'unanimité en tant que représentant du Comité national d'action sociale. Désignation du correspondant défense, donc il faut un représentant, donc le candidat Imagine Épinay est donc Vincent Gallet, donc qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, donc Vincent et devient correspondant défense. Ça te rappellera tes années de service militaire. Nous allons maintenant passer au représentant de la commune de la commission locale d'évaluation des transferts de charges de la CLECT de la comité d'agglomération Paris-Saclay. Je passe la parole à Laurence Castin. Oui, ça va être assez rapide aussi. Donc, il faut des représentants de la commune à la CLECT, commission locale d'évaluation des transferts de charges à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Donc, chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Donc, nous avons un conseiller municipal titulaire, un conseiller municipal suppléant. Je laisse à Monsieur le maire la liberté de donner ces noms-là. Merci. Donc, les candidats sont le candidat titulaire Laurence Castin et le délégué suppléant, donc Olivier Marchaud. Donc, qui vote pour ces deux candidats? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les candidats sont élus à l'unanimité. Donc voilà, donc ça clôt le cycle des délibérations qui étaient soumises à des votes de titulaires. Donc maintenant nous allons passer à des délibérations autour de sujets autres. Donc nous allons passer donc dans la partie finance et donc je vais passer la parole à Laurence qui va nous présenter les délibérations 15, 16, 17 et 18. En fait, les délibérations 15, 16 et 17 parlent du même sujet, qui est la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à présent, nous avions la nomenclature M17. Alors, nous devons voter, c'est obligatoire. La date, c'est la dernière où on peut basculer, donc on n'a pas le choix. Bon, voilà. Donc, cette mise en place de la nouvelle nomenclature a été inscrite dans la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, qui avait été votée en 2015 et qui modifie les règles budgétaires et comptables à compter donc du 1er janvier 2024. Ce référentiel s'étend à toutes les collectivités et donneront, on verra, une offre plus grande, une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Cette instruction permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel, cela dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles. Voilà, donc afin d'engager la démarche pour le 1er janvier 2024, il nous faut adopter cette mise en place de nomenclature comptable et budgétaire de la M57 pour qu'elle soit mise en place à compter du 1er janvier 2024. Donc nous allons procéder au vote. Donc pour la Alors je laisse la parole à M. Legouge parce que j'aurais pu effectivement vous demander votre et si vous aviez des remarques. Donc vous avez anticipé, c'est très bien. Donc je vous laisse la parole. Merci. Le groupe Épinay votera favorablement donc pour cette délibération. Ce passage de la nomenclature comptable en M57, puisque c'est une obligation imposée par l'État et ne traduit pas un choix quelconque politique publique locale. Ces délibérations sont un passage obligé pour l'adoption de la M57. Nous ne nous y opposerons pas. Merci pour votre choix. Donc nous allons procéder au vote. Donc qui vote pour la délibération numéro 15? Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 15 est votée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 16 sur la fixation de la durée d'amortissement dans le cadre de l'adoption du référentiel M57. Donc cette fixation de durée est aussi obligatoire pour le passage à la nouvelle nomenclature.
Donc c'est la durée d'amortissement des biens communaux. En fait, il n'y a pas de changement par rapport aux durées antérieures. Le seul changement est pour les biens de faible valeur, inférieurs à 1 000 euros avec une durée d'amortissement inférieure à un an. Sinon, toutes les autres durées d'amortissement sont identiques à ce que nous avions déjà antérieurement. Voilà. Je vous propose donc de fixer et d'adopter les durées d'amortissement. Je ne vais pas toutes vous les citer, à moins que vous vouliez, immobilisation corporelle, incorporelle. Donc fixer et d'adopter les durées d'amortissement conformément au tableau. Appliquer la méthode de l'amortissement linéaire pro rata temporis. Oui, ça c'est une nouveauté. Parce qu'avant, c'était un amortissement annuel. C'est-à-dire même si le bien, on l'achetait le 15 novembre, il comptait pour l'année complète, que maintenant, si on l'achète le 15 novembre, qu'il est amortissable sur 10 ans, c'est 15 novembre, 15 novembre, c'est date à date. Ça, c'est une nouveauté. Et donc, d'approuver l'amortissement en annuité unique, seulement pour les biens de valeur inférieure à 1 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions ? Je ne vois pas de questions, donc nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour ? Qui vote contre, qui s'abstient. Donc la délibération est donc approuvée à l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 17. Et je passe la parole à Laurence Castin. Et voilà donc la troisième délibération relative à ce changement de règles de nomenclature. C'est donc l'adoption, pareil, obligatoire, d'un règlement budgétaire et financier qui vous était annexé dans les pièces et donc qui a pour objet de préciser et de formaliser les règles comptables et financières qui s'imposent au quotidien dans la préparation des actes administratifs de la collectivité et fixer le cadre des principales procédures de gestion applicables dans la ville. Voilà, donc le règlement budgétaire et financier pourra évoluer, c'est pas un document qui est figé, en fonction des modifications législatives et réglementaires et de modalités internes à la commune. Toute modification fera toutefois l'objet d'un vote par le conseil municipal. Merci. Nous n'avons pas la note de présentation de la délibération numéro 17. Ah bon ? On n'a que le règlement. Moi, je l'avais dans ma liste. Oui, mais pas possible. Alors, visiblement, dans le dossier électronique, il était bien présent. Donc, il est envoyé. Est-ce que certains d'entre vous l'ont eu électroniquement ou que par papier ? C'est le papier qui a posé problème. C'est le papier, oui. Oui, parce qu'électroniquement, vous l'aviez. On n'a pas regardé électroniquement, c'est pour ça que... Non, on ne l'a pas regardé. Parce que nous, on est plusieurs à l'avoir reçu électronique. Enfin, nous, on l'a pris électroniquement, on l'avait bien. Donc, comme c'est le même envoi... On le renverra. Mais on vous l'enverra, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour la délibération numéro 17 ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 17 est votée à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant au projet de délibération numéro 18 relatif à l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Je passe la parole à Laurence Castin. Voilà, c'est une délibération qui nous revient chaque année. Donc dans le cadre de l'apurement des comptes entre le comptable et l'ordonnateur, le trésorier a proposé à la collectivité l'admission en non-valeur de certaines créances pour lesquelles il a épuisé toutes les actions de recouvrement. Donc il y a deux listes présentées. Une s'élève à 242,24 € pour des créances qui s'étalent entre 2015 et 2022, des loyers et charges, de la cantine et RODP, donc l'occupation du domaine public, et divers. Donc en tout 242,24 € pour cette première pièce. Pour la deuxième pièce, 139,63 € pour de l'année 2019, une créance sur de la cantine. Voilà. Donc je n'ai pas
eu Monsieur Legout, j'ai posé une question en commission, à savoir si la famille qui avait cette créance de cantine avait toujours un enfant inscrit. Je n'ai pas la réponse. Merci Laurence. Y a-t-il des questions ? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 18 est donc approuvée à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 19 relative à des ressources humaines. Donc c'est une délibération qui propose la création pour le recrutement d'animateurs ou de directeurs d'accueil collectif de mineurs selon un nouveau contrat qui est un contrat d'engagement éducatif. Donc le contrat d'engagement éducatif est un contrat de travail de droit privé spécifique et donc destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Le bénéficiaire du CEE est recruté par un contrat de droit privé, participe de façon occasionnelle à des fonctions d'animateur ou de direction dans un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif. Entre autres, ça permet de traiter les sujets de séjour de vacances d'au moins 7 mineurs, dès lors que la durée de l'hébergement est supérieure à 3 nuits consécutives, et pour les séjours courts d'au moins 7 mineurs pour une durée d'hébergement de 1 à 3 nuits. La durée d'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,2 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature. Il convient donc par délibération de fixer les modalités inhérentes au recours au CEE. Y a-t-il des questions ? Donc je soumets à délibération au vote. Donc qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 19 est approuvée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 20 qui porte sur la rémunération du personnel du service jeunesse affecté à l'encadrement de séjour. Donc nous avions délibéré le 18 novembre 2021 sur les modalités de rémunération du personnel affecté à l'encadrement du séjour nuitée ou veillée. Dans l'usage, en fait, il s'avérait que cette délibération est bien adaptée au personnel du secteur enfance, mais qu'elle l'était beaucoup moins pour les séjours jeunesse. En effet, pour fixer un mode de rémunération du personnel encadrant les séjours, la délibération de 2021 s'appuyait sur le postulat que les animateurs effectuent une journée normale de 10 heures sur les temps des vacances scolaires. Cependant, les animateurs du secteur enfance ont un temps de travail différent de ceux de la jeunesse, qui travaillent, eux, 8 heures pendant les vacances scolaires. Il convient donc de conserver la délibération du 18 novembre 2021 en ce qui concerne le personnel de l'enfance, mais de délibérer spécifiquement pour les séjours jeunesse, d'où l'objet de la délibération. Donc le travail effectif pour ce cas de figure va s'apprécier du lever des mineurs à leur coucher, puisque c'est sur cette période que les animateurs vont encadrer les adolescents. Considérant qu'un animateur jeunesse travaille 8 heures par jour pendant les vacances scolaires, il est proposé de comptabiliser des heures supplémentaires à partir de la 8e heure en prévoyant un forfait de 5 heures par jour. Dans le cas de l'annualisation du temps de travail, les journées de séjour seront donc comptabilisées comme 8 heures de travail. Pour la nuit, la commune peut s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juin 2009, qui précise qu'est légale la délibération qui prévoit qu'une nuit de garde assurée de 21h à 7h sera rémunérée sur la base de 3h30, majorée de 50% le week-end et les jours fériés. Cette modalité sera donc retenue pour prendre en compte les temps nocturnes. Y a-t-il des questions ? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 20 est approuvée à l'unanimité. Nous allons maintenant passer à la délibération numéro 21 qui porte sur la modification du tableau des effectifs, donc délibération qui passe à chaque conseil municipal. Donc il y a eu quelques modifications qui ont été faites, ne serait-ce du fait d'une absence qui suit au départ en retraite d'une agent, donc voilà, c'est une première évolution, un animateur suite à une mobilité interne, un adjoint technique pour pérenniser un agent en restauration entretien en remplacement d'un agent parti, et un grade d'attaché hors classe et d'un attaché territorial principal
au cas où le futur DGS recruté serait l'un de ces deux grades. Voilà, c'est par anticipation du recrutement qu'on va faire justement pour remplacer Cécile. Voilà, vous avez des questions sur le tableau des effectifs, hein? Non, je ne vois pas de questions. Donc, nous allons procéder au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération numéro 21 est approuvée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 22, relatif à la transformation de la halte-garderie en petite crèche. Et donc, je passe la parole à Sophie Gaudry. Merci. Alors, actuellement, la halte-garderie propose un accueil occasionnel aux jeunes enfants pour quelques heures ou pour la journée. La facturation de la famille est calculée selon la présence réelle de l'enfant et au tarif horaire établi par la caisse d'allocation familiale. La capacité d'accueil est de 20 enfants, dont 10 à la journée. Devant l'augmentation du nombre de demandes de places en accueil régulier, il est nécessaire de transformer la halte-garderie en petite crèche afin d'augmenter le nombre d'enfants accueillis à 12 enfants à la journée. Le président du Conseil général a donné un avis favorable pour cette transformation de la halte-garderie en petite crèche suite à la visite de contrôle de la PMI. Ensuite, il est possible de proposer un accueil régulier type crèche et un accueil occasionnel. Ainsi, le taux d'occupation de la structure sera amélioré et le fonctionnement de cet établissement d'accueil du jeune enfant sera optimisé. Excusez-moi. La contractualisation permet d'observer une régularité des paiements et une hausse des recettes. En effet, toute absence est facturée si elle n'est pas justifiée. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération numéro 22 est approuvée à l'unanimité. Nous allons procéder maintenant à la délibération numéro 23, donc, qui est le règlement de fonctionnement de la petite crèche, qui est donc le pendant de la délibération numéro 22. Et donc je redonne la parole à Sophie. Merci. La transformation de la halte en petite crèche ainsi que la réforme des modes d'accueil et les précisions relatives à la prestation de services uniques impliquent une révision des règlements de fonctionnement demandés par la caisse d'allocation familiale. Les changements apportés sur le règlement concernent l'évolution du mode d'accueil et les déductions tarifaires en cas de maladie et la facturation de la période de familiarisation. De plus, il convient de préciser les missions du référent santé et accueil inclusif. Enfin, de nouveaux protocoles doivent être annexés au règlement de la petite crèche qui concerne les situations d'urgence, les mesures d'hygiène renforcées en cas d'épidémie, la délivrance des soins spécifiques, la déclaration des situations de maltraitance, les mesures en cas de sortie extérieure, le plan de mise en sûreté attentat. Par courrier du 21 février 2023, la Caisse d'allocation familiale a validé ce règlement de fonctionnement. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération numéro 23 est approuvée à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'examen de la délibération numéro 24 sur la modification du règlement du fonctionnement de la crèche familiale Les Petits Castors. Et je redonne la parole à Sophie Gourdier. Donc là, pareil que la précédente, la réforme des modes d'accueil ainsi que les précisions relatives à la prestation de services uniques impliquent une révision des règlements de fonctionnement demandés par la caisse d'allocation familiale. Il est donc nécessaire de mettre à jour le fonctionnement. Les changements apportés sur le règlement concernent les missions du référent santé et accueil inclusif, la participation financière des familles en charge d'un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, permettant d'appliquer aux familles le taux d'effort immédiatement inférieur. Et les nouveaux protocoles, c'est les mêmes que la précédente. Très bien, merci Sophie. Donc nous allons procéder. Déjà, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Donc une question. Oui, merci. C'est une question en fait donc pour la crèche familiale, pour savoir si vous avez eu beaucoup de demandes en fait pour la crèche familiale et s'il y a eu beaucoup de refus pour les enfants en crèche familiale. Ce j'ai pas les chiffres. Alors en fait on a eu donc une comment
Une commission, ouais, effectivement, pour délibérer sur les places disponibles au niveau des crèches, enfin des structures municipales. Concrètement, au niveau de la crèche, on a dû refuser quasiment un dossier sur deux. Et concernant la crèche familiale, on a été. Alors, il y avait eu un pré-traitement des dossiers, mais effectivement, on a eu plus de demandes que d'offres. Voilà. Après, ce qui laisse, de toute façon, ensuite on réoriente les parents sur d'autres solutions, notamment les assistantes maternelles indépendantes, la crèche PEVO également. Et puis demain, bah, on aura des micro-crèches qui permettront via le 1% patronal de pouvoir répondre à des besoins en fait. Merci, parce qu'en fait, il y a des assistantes maternelles qui, après les commissions, justement, ont souvent des retours suite aux commissions pour avoir des enfants, des contrats en septembre. Or là, cette année, ça n'a pas été le cas. Elles ont eu très peu de demandes, donc du coup, d'où ma question juste avant, très peu de demandes. Alors je sais que Madame Boyer, en fait, et Madame Ebeyère, était défavorable en fait pour accueillir des enfants qui étaient déjà placés en assistante maternelle libérale. Or là, il y a eu deux enfants qui étaient en assistante avec une assistante libérale et ils ont été pris en crèche familiale. Donc c'est pour ça, si vous avez refusé un dossier sur deux, est-ce un choix des parents de changer de structure? Et y a-t-il aussi également un remplaçant auprès de Madame Ebeyère, puisque donc c'est la coordinatrice du pôle enfance, petite enfance? Est-ce qu'il y a quelqu'un, du coup, pour la remplacer, pour faire ce lien? Voilà, déjà, première chose. En fait, effectivement, sur la situation concernant la petite enfance nécessite de réaliser des recrutements à la rentrée, et notamment, effectivement, la responsable qui est partie fin juin. Donc là, c'est en cours. On n'a pas encore de remplaçant, mais l'objectif, ça va être de remettre à plat le fonctionnement aussi de ce service. Et évidemment, nous, quand il y a des dossiers qui arrivent, systématiquement, quand il y a des... Quand on est amené à refuser un dossier, comme je vous l'ai dit, on réoriente vers les assistantes maternelles indépendantes. Ensuite, les parents font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils trouvent des solutions sur des structures hors communes et que ça leur convient davantage, c'est évidemment leur choix. Nous on peut uniquement fournir la liste et ensuite c'est aux parents de faire la démarche. Le frein qui peut exister effectivement des fois, c'est le fait d'être employeur et même si maintenant il existe des systèmes qui permettent de limiter l'administratif pour les parents, ça peut être des fois un frein, effectivement. Et donc ce n'est pas dû au fait que Madame Ebeyère ne soit plus là? Non, de ne pas avoir que... cette relation-là aussi. Je sais aussi que le RPE, c'est très difficile de les joindre. Sur le téléphone en fait, portable pour le RPE, c'est très difficile de les joindre. Est-ce qu'il y a justement une ligne qui est redirigée pour qu'on puisse les joindre? Parce que là, je sais qu'il n'y a pas de retour, en tout cas, quand les gens appellent. Pas de retour. Donc, c'est une situation effectivement qui est connue notamment par les professionnels de les assistantes maternelles, hein, puisqu'on est en lien avec elles sur le sujet. Donc il y a une réunion d'ailleurs qui va avoir lieu le 11 juillet à ce sujet, et à la rentrée, on fera également un point de situation avec elles. Donc effectivement, le RPE actuellement ne fonctionne pas en lien avec l'arrêt de la professionnelle qui en a la charge. Et effectivement, l'objectif pour nous, c'est de trouver des solutions avec aujourd'hui un salarié qui est titulaire de son poste et qui a en charge la responsabilité du RPE. Donc évidemment, cette personne étant en arrêt, c'est compliqué de le faire fonctionner. On essaie de trouver des solutions. Il y a les professionnels de la petite enfance de la commune qui ont proposé quelques initiatives, mais ça ne remplace pas l'ouverture du RPE, on est d'accord.
Oui, non, mais ce qui est très bien, c'est voilà, la mini-crèche qui va se créer, la crèche familiale. Et c'est vrai que là, la partie assistante maternelle où peuvent bénéficier du RPE, pour l'instant, qui est vraiment là, ce pôle-là, voilà, c'est dommage pour les enfants. La dame est absente depuis mi-avril, elle est censée revenir le 10 juillet. Mais c'est une situation qui est connue de longue date, malheureusement. Oui. Il n'y a pas de solution, du coup, pour que... On a... Voilà. Comme mes prédécesseurs, je n'ai pas de solution. Mais la situation est connue depuis très longtemps. Oui. Voilà. Mais pas de solution, du coup, à porter encore Pour l'instant... Ouais. Pour l'instant... Ah non, pas du tout. Non, ce que j'explique, c'est que... Quand on a des situations compliquées à gérer, y compris dans la gestion du personnel, c'est évidemment des choses qui dépassent les points de vue partisans. Hein, pour être clair, les problématiques qu'on rencontre nous aujourd'hui, nos prédécesseurs les ont rencontrées, et avec tout le respect que je leur dois, aujourd'hui je n'ai pas, je ne suis pas magicien. Mais ne risque-t-on pas là du coup que le RPE ferme? Ah, évidemment. Parce que là du coup les missions ne sont plus accomplies et donc la CAF risque de dire ben on ferme. Complètement. Donc du coup, enfin voilà, c'est très bien de mettre une mini crèche, une crèche, la crèche familiale. On avait cette troisième solution là aussi, qui devait convenir parfaitement aux parents aussi. Et là, le fait que, voilà, on court vraiment le risque que ça ferme. Évidemment. Ce qui est dommage. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas de solution. D'accord. On n'a pas de solution. Donc, on espère pouvoir en trouver dans les mois à venir. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Donc, on met en place des initiatives transitoires. Mais malheureusement, on est un peu dans une impasse aujourd'hui sur le RPE. Bon, ben, je pense que la réunion qui aura lieu prochainement va peut-être rassurer les assistantes maternelles qui, là, je pense, sont vraiment inquiètes, en tout cas, du devenir. Mais on est en lien souvent avec elles. Et déjà, je tenais aussi à les remercier parce qu'elles sont quand même compréhensives, même si c'est sûr que ça interroge, etc. Mais on est en lien avec elles et on essaye de trouver tous des solutions. Je pense que là, elles attendent vraiment les réponses de façon ferme. Il y a encore il y a à peine deux jours, j'étais en lien avec une assistante maternelle qui est une ancienne élue qui était conseillée déléguée à la petite enfance et avec qui on a échangé sur la situation. Elle comprend tout à fait cette situation. Mmh. Voilà, et ayant été aux responsabilités, elle sait ce qui est compliqué aujourd'hui à gérer. Très bien, merci. Merci après ces échanges. Donc nous allons procéder au vote. Donc qui vote pour la délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est votée à l'unanimité. Et donc je repasser la parole à Franck pour la délibération numéro 25 sur l'actualisation des tarifs du service jeunesse. Alors effectivement, cette délibération est relative à l'actualisation des tarifs jeunesse. Le premier point concerne la tarification du point jeune, 11-17 ans. Le service jeunesse donc accueille des jeunes de 11 à 17 ans au point jeune tout au long de l'année, chaque soir de 15h à 18h30, les mercredis, un samedi par mois, ainsi que pendant les vacances scolaires. Cette offre est complétée par une soirée thématique mensuelle co-construite avec les jeunes. La participation à ces activités est conditionnée à une adhésion annuelle. Enfin, les tarifs des activités dépendent du quotient familial. Donc là, on vous a présenté effectivement un tableau avec un quotient familial allant de A jusqu'à E, plus leur commune. Et ensuite, on a 6 tarifs différents selon la nature des activités. Donc c'est des tarifs. Le tarif 1 va de... Donc des dépenses qui peuvent aller de 1 euro à 6 euros. Donc pour cela, effectivement, le tarif A du quotient, la participation est de 2 euros, tarif E de 3 euros, les hors communes scolarisées à Épinay, c'est 4 euros, et les extérieurs, c'est 6 euros. Donc voilà, je ne vais pas vous passer tous les tarifs. Mais on arrive au le dernier tarif, c'est le tarif 6, donc c'est pour des activités qui sont qui coûtent entre 25 euros et plus. Et le tarif, le quotient A, une participation de 9,50 euros,
quotient E, une participation de 13,50 €. Et pour les hors-communes scolarisées au collège d'Épinay, c'est 20 €. Et enfin, le coût de l'activité pour les extérieurs est à concurrence de 35 €. Donc ensuite, on a des tarifs, le tarif d'adhésion annuel pour les quotients A, c'est 10 € et ça va jusqu'aux 22 € pour les quotients E, 30 € pour les jeunes extérieurs qui sont au collège à Épinay et 40 € pour les extérieurs. Et enfin, donc les tarifs des repas pour les spignoliens, c'est 4 € et pour les hors-communes, c'est 6 €. Voilà, donc les exemples des tarifs, effectivement, tarif 1, c'était cinéma, piscine, plage de Torcy, etc. Et le tarif 6, c'est les parcs d'attractions, les stages de secourisme. Donc les jeunes de la commune d'Épinay-sur-Orge sont prioritaires sur l'ensemble des activités, sorties, soirées, proposées par le service jeunesse. Seules les sorties culturelles, visites de musées, expositions, salons, aquariums sont gratuites. Donc les tranches des quotients sont quotient A entre 1 et 5 000 € par an et quotient E c'est plus de 20 000 € par an. Donc voilà pour ce qui est des tarifs 11-17 ans. Tarif 15-25, donc la municipalité propose des animations au 15-25 sur des modalités d'accueil adaptées à ce public en dehors du cadre Pont Jeunesse. Un tarif unique sans adhésion annuelle est proposé pour ces jeunes lors de ces activités. Cette tarification est basée sur un tarif C pour les spinoliens. Les jeunes domiciliés hors commune ont une tarification spécifique. Le conseil municipal doit adopter donc cette nouvelle tarification qui s'ajoute au tarif des activités du point jeunesse. Donc tarif unique et sans adhésion. Donc on est effectivement sur les tarifs 1. Donc à une participation de 2,50 € pour les spinoliens et 6 € pour les extérieurs et on va jusqu'au tarif 6 à 25 € donc pour les activités qui coûtent 25 € et plus. Les spinoliens donc participent à hauteur de 11,50 € et les extérieurs donc coût de l'activité à concurrence de 35 €. Repas pour les spinoliens 4 €. Les heures communes 6 €. Et enfin, donc tarification des repas pour les stages BAFA. La municipalité organise également des stages BAFA et fournit les repas des stagiaires. Les tarifs à l'unité de ces repas est fixé à 4,70 € au bénéfice de la régie de recettes du service jeunesse. Donc je vous propose de délibérer. Y a-t-il des questions et remarques ? Je ne vois pas de questions ou de remarques. Nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, la délibération numéro 26 est approuvée à l'unanimité. 25, pardon. Et donc, nous allons procéder à la délibération numéro 26, donc, qui est relatif à au tarif des veillées et nuitées des accueils des loisirs extrascolaires, maternels et élémentaires pour l'année 2023. Je repasse la parole à Franck. Effectivement, donc la municipalité souhaite mettre en place des veillées et nuitées au sein des activités de loisirs extrascolaires, maternelles et élémentaires pendant les vacances scolaires 2023, afin de permettre aux enfants de passer des moments en soirée hors du cadre familial, mais aussi de favoriser leur prise d'autonomie dans des moments de distraction et de détente. Les accueils de loisirs organiseront divers temps d'animation spécifiques. L'accueil de loisirs maternels organisera des veillées, c'est-à-dire un temps d'animation après le repas du soir. L'accueil de loisirs élémentaires organisera des veillées et des nuitées. Encadrés par des animateurs, animatrices, les enfants dormiront sous toile dans l'enceinte de l'accueil de loisirs élémentaires des Templiers ou dans le parc de la Fondation franco-britannique de Sillery, dans le respect de la convention de partenariat portant mise à disposition par la Fondation franco-britannique Sillery au profit de la commune d'Épinay-sur-Orge, signée le 12 mars 2021. Ces services seront facturés aux familles selon le quotient familial. Donc les tarifs ont été calculés
de la manière suivante. Pour la veillée, le prix d'un repas, plus 2h30 de temps d'animation, règle de 3, donc 11h45 d'amplitude horaire d'animation. Pour la nuitée, prix d'un repas, plus 5 heures de temps d'animation et surveillance de nuit, règle de 3, donc 11h45 d'animation horaire d'amplitude horaire d'animation, plus prix du goûter représentant le petit déjeuner du lendemain. Priorité sera donnée aux enfants spinoliens fréquentant habituellement les accueils de loisirs. Donc juste pour les quotients, donc quotient A, participation de 45 centimes, jusqu'au quotient K, participation de 3,95 €. Puis déjeuner, quotient A, 0,85 centimes. Donc, et quotient D, 3,75 €. Et enfin, les nuitées, quotient A, donc 90 centimes, jusqu'à 7,90 € pour l'heure commune et 5,45 € pour le quotient J. Merci Franck pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Non. Donc je ne vois pas de questions, donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 26 est approuvée à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 27 relative à la modification de la période d'application du quotient familial. Donc, je repasse la parole à Franck. Donc la municipalité souhaite modifier la période d'application du quotient familial afin qu'il soit pris en compte pendant l'année civile et non pendant l'année scolaire. Ainsi, le nouveau quotient familial sera appliqué à partir du 1er janvier 2024 et sera calculé pendant le dernier trimestre 2023, permettant aux familles d'avoir une période plus large pour son calcul. Pour faciliter les démarches des familles, les quotients familiaux et les tarifs pratiqués depuis septembre 2022 restent inchangés et sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2023. Y a-t-il des questions pour la délibération numéro 27 ? Je n'en vois pas. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération numéro 27 est approuvée à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à la délibération numéro 29 qui porte sur la modification 28. Désolé. C'est pas une course, mais désolé. Donc, relatif à un avenant numéro 1, et surtout celle-là, au marché de travaux d'urgence de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée rue des Meuniers. Et je passe la parole à Jean-Marie pour sa première délibération au conseil municipal. Donc, nous allons présenter cette délibération. La société Colas est adjudicataire depuis le 31 mai 2022 du marché de travaux d'urgence de réfection d'un mur de soutènement et d'une voirie affaissée rue des Meuniers. Au printemps 2023, de grosses arrivées d'eau sont apparues dans les forages destinés à la pose des profilés métalliques. Le titulaire du marché a été contraint d'injecter du coulis de béton afin de forer à 13 mètres de profondeur. D'autre part, un test de pompage a dû être réalisé. La cadence du chantier a été ralentie par ses difficultés matérielles, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat. Il convient donc de modifier le marché de travaux d'urgence de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée, rue des Meuniers, par un avenant numéro 1, d'un montant de 114 946,33 hors taxe, soit 137 935,60 TTC. L'incidence financière sur le marché est la suivante. Donc, je ne reviens pas sur le montant que je viens de citer de l'avenant, qui est de 114 946,33 hors taxe, ce qui nous fera un total du marché, y compris cet avenant, hors taxe de 1 677 269,77 et un montant TTC de 2 012 723,72, soit une augmentation dans les deux cas, logique, de 7,36%. Le projet de délibération a pour objet d'approuver la conclusion de l'avenant numéro 1 du marché de travaux d'urgence, de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée rue des Meuniers, et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à sa signature.
Y a-t-il des questions? Je voulais savoir, et c'est ironique, mais si vous aviez prévu de changer de logiciel Excel, parce qu'il y a toujours des erreurs de calcul, en fait. Sur la partie TTC, quand vous terminez par 0,13 centimes et que vous rajoutez 60, je pense que ça doit faire 73 centimes et non 72, comme c'est indiqué dans le montant. Ah mais non, mais... Non. Et ça a beau être des arrondis, sur le papier, c'est marqué, il y a une erreur d'un centime. Bon, nous procéderons à la modification, mais je pense que c'est un problème logiciel d'arrondi qui fait que dans la somme des calculs, on perd un centime. Voilà. Donc je vous remercie pour votre remarque pour le centime manquant. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, hein? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération numéro 28 est approuvée à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à la délibération numéro 29, donc qui est la continuité de ce que Nathan nous a exposé en début de séance, donc sur la modification de la charte de fonctionnement des conseils de quartier. Donc je passe la parole à Nathan Fabreau. Merci. Donc effectivement, on a commencé avec les conseils de quartier, on finira avec les conseils de quartier. Et comme expliqué plus tôt, il s'agit de la modification de la charte de fonctionnement de ces conseils de quartier. Donc nous avions approuvé la création de 5 conseils de quartier le 9 février 2021 avec le découpage que l'on connaît. Et il convient aujourd'hui de modifier certaines dispositions de cette charte sans modifier les principes directeurs. Ces modifications permettront de prendre en compte les expériences accumulées depuis la mise en place des conseils de quartier, de compléter, modifier ou améliorer certaines dispositions de la charte. Il s'agit finalement d'adapter et de simplifier ce qui existait, ou alors de préciser certaines choses. Vous avez dans la notice un comparatif des articles qui ont été modifiés. Concrètement, la composition des conseils de quartier évolue en passant de 7 à 12, 12 membres tous titulaires. Elle évolue également car elle précise un peu mieux le rôle des membres, ce qui n'apparaissait pas avant, le rôle du coordinateur, le rôle de l'élu référent. Elle précise également la durée de l'engagement et le renouvellement des membres, et c'est ce qui va nous intéresser tout début septembre. Elle précise certains points qui concernent l'assiduité des membres et leur démission. Et puis, dans le deuxième chapitre, des questions qui concernent les réunions de quartier, les séances de travail, les moyens d'action participative qui sont elles aussi un peu précisées. Voilà, une grosse partie de précision également sur le fonctionnement concernant le budget. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Ok, je ne vois pas de questions. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier est donc approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Et nous allons conclure par la dernière libération, qui est donc relative à la signature d'une convention d'occupation d'un immeuble non bâti dépendant du domaine public de la commune d'Épinay-sur-Orge par SNCF Gare et Connexion. Et je passe la parole à Sylvie Panzani. Pardon. Bonsoir. Donc, il s'agit on va donc évoquer un sujet de stationnement vélo. Donc la loi d'orientation des mobilités du 26 décembre 2019 et son décret d'application du 8 juin 2021 a établi pour la SNCF diverses obligations, et notamment en ce qui concerne le nombre de places de stationnement vélo à mettre en place aux abords de chacune des gares. En parallèle, Île-de-France Mobilité a lancé en 2020 un programme qui vise à développer l'offre de stationnement vélo dans toutes les gares d'Île-de-France. Ce projet vise à promouvoir l'utilisation du vélo et vise à répondre de meilleure manière aux besoins des voyageurs utilisant le vélo. Dans ce cadre-là, Île-de-France Mobilité a mis à jour son schéma directeur de stationnement vélo.
en établissant de nouvelles orientations, en posant des questions sur les besoins en équipement, sur l'amélioration de l'expérience client, la communication, etc., avec un objectif d'atteindre une offre de 140 000 places de stationnement vélo pour 2030. Dans ce contexte, Île-de-France Mobilité a désigné SNCF Gare et Connexion comme maître d'ouvrage pour développer les équipements de vélo et notamment le déploiement des parkings vélos aux abords des gares SNCF d'Île-de-France. La gare de Petit-Vaux à Épinay-sur-Orge fait partie des gares concernées par ce projet pour bénéficier d'un abri vélo sécurisé. Donc la SNCF Gare et Connexion doit y créer 10 places de stationnement sécurisées et 15 places en abri ouvert. Pour atteindre cet objectif, une consigne vélo sécurisée de 10 places sera installée aux abords de la gare sur un parking appartenant au foncier de la commune d'Épinay-sur-Orge, en domaine public non cadastré. De ce fait, la gare SNCF Gare et Connexion a saisi la commune d'Épinay pour établir une convention d'occupation temporaire à titre gratuit sur le terrain nécessaire pour implanter cette consigne vélo. La commune d'Épinay a répondu favorablement compte tenu de l'opportunité de bénéficier d'un tel équipement au regard du développement des mobilités douces et de l'intermodalité des différents modes de transport. Je précise que cette convention a une durée de 10 ans et qu'elle sera renouvelable. L'abri vélo donc, qui sera implanté a fait l'objet d'une déclaration préalable qui a été déjà délivrée par l'État en 19 mai 2023. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de décider la signature de cette convention d'occupation précaire sur un immeuble non bâti dépendant du domaine public de la commune d'Épinay, à savoir sur le parking de la gare de Petit-Vaux, occupé par SNCF Gare et Connexion, afin d'y implanter un abri vélo de 10 places. D'approuver les termes de la convention telle qu'elle est annexée à cette délibération et d'autoriser le maire à signer cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rapporteront. Merci pour cette présentation. Donc, avant de procéder au vote, je ne prendrai pas part au vote compte tenu de ma situation professionnelle avec SNCF Gare et Connexion. Donc, je ne prendrai pas part au vote et je pense qu'il y a une deuxième personne, donc Nathan Fabreau et Christelle Bourdou qui ne prendra pas part non plus au vote étant donné que ce sont SNCF Gare et Connexion et de façon globale SNCF est notre employeur pour tous les trois. Voilà, donc nous allons procéder au vote. Donc, qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la convention est donc approuvée à l'unanimité via la délibération numéro 30. Et donc nous allons conclure le conseil municipal juste par rapport aux décisions qui ont été prises. Donc il y a 5 décisions qui ont été prises. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces décisions ? Oui. Merci. Moi, ça concerne la décision 45-2023. On aimerait connaître le montant de la demande de subvention, le coût des projets, s'il vous plaît. Ok, donc la décision 45-2023, c'est une demande de subvention au service départemental à la jeunesse et à l'engagement et au sport, donc le SDIJ 91. Donc c'est pour un sujet de jeunesse. Et donc la demande de subvention est de 3 500 €. Alors il y a plusieurs dossiers en fait. Il y a un dossier pour le loisir éducatif des jeunes, donc c'est pour un montant de 2 500 €. Pour l'aide au réseau information jeunesse, donc de l'ordre de 2 000 €, et pour l'initiative des jeunes, qui est de l'ordre de 3 500 €. Donc ça fait un total de 8 000 €. Voilà, c'est l'ordre, c'est la demande de subvention qui est faite. Y a-t-il d'autres questions ? Oui ? Oui, c'est concernant la décision 44-2023 sur l'achat des cartes cadeaux. Comment se fait en fait ce calcul ? Comment les jeunes se manifestent auprès de vous ? Parce qu'il n'y a pas de lycée sur Épinay, donc vu que les jeunes d'Épinay sont basés soit sur Prévert, soit sur Corot, éventuellement Monge aussi pour certains. Donc, et 30, c'est une prévision par rapport aux collégiens qu'il était
En fait, 30, c'est une prévision par rapport aux années précédentes. Donc, généralement, il y a à la fois le service jeunesse, en fait, qui va systématiquement renvoyer à la mail list. Donc, il cible, en fait, les bacheliers et il leur renvoie, effectivement, l'invitation à cette soirée. En fait, s'ils s'inscrivent, on déclenche la carte cadeau. Il y a également, on communique également sur les réseaux sociaux où on invite les bacheliers de l'année à s'inscrire à la soirée des bacheliers. Donc généralement, voilà, on a souvent entre 15 et 25 selon les années. Voilà, là, ils partent sur une trentaine en espérant pouvoir toucher un peu plus de monde avec la communication et le travail de fond qui est réalisé par le service jeunesse là, sur les activités hors les murs. Là. Donc plus ça va, plus les animateurs vont à la rencontre des jeunes et des groupes de jeunes pour rentrer en contact. Et ceux qui ne bénéficient pas, qui ne vont pas à ce service jeunesse, du coup, il y aura une communication qui est faite Via les réseaux sociaux, voilà, en fait. Via les réseaux sociaux. Mais effectivement, on ne peut pas les toucher autrement, en fait. Voilà, d'accord. Merci. Donc merci. Donc nous allons pouvoir donc clôturer ce conseil municipal. Donc vu qu'on a épuisé toutes les questions, il n'y a pas de questions écrites qui ont été déposées par le groupe Épinay demain. Donc nous allons pouvoir conclure donc ce conseil municipal. Donc je remercie Corentin et Kevin pour la prise d'image et de son. Voilà, ce soir tout a marché de façon nickel, donc parfait. Bravo à vous. Je remercie évidemment les services de la direction générale et du cabinet automatiquement et la sténotypiste que je remercie également et donc qui va nous préparer et nous donner tous les éléments pour faire un compte-rendu fidèle. Voilà. Je vous remercie à tous. Le prochain conseil municipal, normalement, sera plutôt vers le mois de septembre-octobre. On n'a pas encore fixé les dates. Donc voilà. Mais donc, en tout cas, je souhaite de bonnes vacances à tous. Juste dernière précision hors cadre du conseil municipal. Tout à l'heure, je vous ai parlé de différentes mesures. Une des mesures de ce soir, c'est de rentrer les poubelles jaunes. Donc je rappelle, puisque je profite du micro et de la chaîne, donc voilà, rentrer les poubelles jaunes ce soir, qu'elles ne soient pas dans la rue. Et elles ne seront pas ramassées demain. Le ramassage se fera samedi matin. Voilà. Donc on essaie d'éviter ce soir d'avoir des poubelles dans les rues. Voilà, merci.